Allez, je vous retrouve tout à l'heure. À tout. Bon, regardez un peu ce que ça fait ça, de nuit. Vous voyez, on voit bien là où les mobs ne peuvent pas spawner. Bon, là, on voit qu'ils spawnent, mais ils peuvent spawner, mais ils sont très loin. Du coup, est-ce qu'ils m'attaquent de nuit, les loups? Du coup, ils ne sont pas, ils n'influencent pas trop la zone. Mais par contre, les zones, la zone assez rapprochée, je crois qu'elle est suffisamment torchée là pour vous. Je vous reprends vraiment quand j'aurai toutes les redstone qui s'ajouteront à ça, plus les, c'est-à-dire que j'ai de la redstone qu'il me faut, elle est juste dans le coffre. Il me faut aussi un Soul Endropper. Et oui, je suis en train de farmer derrière chez moi. Pardon, j'espère qu'il y aura assez de fer. Et on se retrouve. Je vous garantis que ça n'a pas été facile. C'était assez chaud parce qu'il y a un moment, un Enderman qui me regardait en mode wesh. Et là, j'ai eu quand même assez chaud au cul, mais je suis pas loin, en fait. Ben, c'est parti. Alors, vous verrez certainement que ça va être recoupé de mini pause, mini coupure, micro coupure, parce qu'il faudra que j'aille checker comment se fabrique le comment s'appelle? La tour. Je vais descendre à l'étage du tout. Et je vais regarder un truc. Est-ce que j'ai mis... Ouais, il faut que ça soit beaucoup plus bas que ça. Que ça soit un niveau au-dessous. Comment je descends? Je vais essayer de me prendre de cette façon. Oui. J'ai fait quelque chose de pas commun du tout. Ouh. Vite, allons-y, allons-y. Et donc, alors, j'ai placé de la bonne manière, puisqu'ici, il n'y avait pas les coins. Donc, il y a une mine de redstone en dessous. Et ce qu'il appelle un ascenseur à item. Donc, ici, il place une torche sur ce bloc. Il en place une à l'intérieur. Et le dropper devrait être là. Attendez. Je pense que c'est ça. Et ici, il met une autre torche de ce côté-là, je crois. Faut que j'aille rechecker. Oui, donc au-dessus de là, il a placé un bloc ici et un sur deux côtés. Là. Que j'ai de quoi me faire des torches de redstone. Il en met une comme ça. Une là. Hop. Et la dernière, elle est alimentée par celle du dessous, en fait. Donc ça donne. Deux torches, ouais. Celle-là, si on l'enlève, ça coupe ça. Donc, ok, le courant qui va influer dans tout ça va interagir avec toutes les torches. Il a placé une mine de redstone ici. Qu'est-ce qu'il y a là comme bloc? Du bois. C'est bien, c'est bien. Il fait pareil ici que là-bas. Comme ça. Comme ça. Donc, Et donc, résultat des courses, j'ai pu me faire quelques avancements déjà sur cette tour qui, je vous l'avouerai, m'a un peu exaspéré, puisqu'il m'a fallu aller farmer du fer à donf, etc., etc., aller tuer pas mal d'araignées dans un désert, perdre tous mes objets en cours de route, aller les rechercher. Mais pour l'instant, ça va. Je me suis à chaque fois, j'ai à chaque fois suivi bien le tuto pour faire le contour. J'ai bien placé bien les murs comme le tuto le disait de faire. Et j'ai placé exactement
Les Redstone. Donc alors, ne pas courir, surtout pas. Mourir m'est arrivé trop de fois ici. Il faut mettre une première ligne de Redstone sous ce mur-ci. J'ai mis donc une ligne de Redstone. J'ai mis un bloc ici en dessous, un bloc au-dessus ici, avec une torche. Puis j'ai décalé un bloc et j'ai mis deux torches. Vous verrez ça dans le tuto. Ici, j'ai placé les deux pistons collants face à face. Puis les deux entonnoirs, l'un se regarde dans le face à face. Quand on place 10 objets, ils passent de l'un à l'autre toutes les 10 secondes et ça active en fait le système. Alors, si vous avez regardé le tuto, il dit de placer sur 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez? Donc, ça fait les 3 là. Il faut qu'il y ait, bon, je vais rapprocher mon coffre par là. Il faut qu'il y ait un double coffre, un double chest là. Donc, je propose qu'on le mette comme ça. Et qu'on influe tous nos hoppers vers ce coffre. Bon, je devrais mettre normalement des demi-dalles par-dessus parce que ça permet de ne pas spawner. Hop. Et voyons si ça marche. Normalement, ça y rentre dedans bien tranquillement. Bon. Pour aller activer le système là-haut, je vais y aller à la tour de truc. Et ça tombe bien parce que bon, c'est la nuit, on verra mieux encore si ça fonctionne correctement. C'est bien par là que je me suis retrouvé. Hop, activons cette machine. Ça va déclencher maintenant. Un sneak. Ça a jeté les torches. Il n'y a pas encore énormément de spawn à l'intérieur. Tiens. Il y a des torches encore dedans. Ah, il doit y avoir des torches au mur. Il doit y avoir des torches, mais au mur. Y a un problème, mais je ne sais pas. Et pour ça, il faut que j'aille voir la redstone depuis. Là, ça marche. Je vais peut-être passer en fly hein, pour aller voir. Ce sera legit, on dira. Allez, passons en fly et ce sera plus simple. Bon, allons voir ce qui cloche. Ici. J'aurais trouvé, hein, mais mes amis. Et hop. Ensuite ici, pourquoi ça ne fonctionne pas? Il doit y avoir un problème quasi similaire. Un problème de torche peut-être. Ah, il n'est pas en contact avec ça en fait. C'est que le bloc ici n'alimente pas ce. N'alimente pas ça. Ne l'alimente pas. J'ai oublié quelque chose. Je reviens tout de suite. Donc oui, heureux. En fait, il manque le bloc qui va ici. 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 Et ici, mais j'ai cassé la machine, je crois, là, en lançant ça comme ça. Ça s'est cassé en fait quand j'ai mis la machine en route. Je relance la machine pour voir. Hop, relançons-la maintenant pour voir ce qu'elle fait. Voyons voir ce que ça a fait.
Donc d'accord, la machine était cassée. Je ne connais pas ce système. Je vais aller mettre des torches tout autour, dans toute la zone. Bon, forcément, si c'est sur l'eau, sur la mer, un truc comme ça peut être meilleur, hein. J'espère quand même que ça va me faire des petits loots de temps en temps, hein. Normalement, c'est censé faire apparaître des petits zombies de temps en temps quand je passe. Donc, on verra. On verra comment ça se gère. Et bon, pour l'instant, je vais vous montrer ici. Vous voyez certainement comment c'est très joli. Excusez-moi. Et je vais... Aïe. Commencer la petite descente vers le petit port que j'imagine. Essayons de faire ici une petite chose sympa. J'ai pas de matériaux en grande quantité. Il me faut une table de craft. Aïe. Je vais récupérer celle qui est là-bas. Oh là là, je suis déçu pour ça. Je voulais que ça me donne des choses, quoi, des petits loot. Ah, il y a deux, trois trucs qui tombent. Ben, c'est déjà ça. Je suis rassuré. Il y a un truc qui a spawné dedans et qui a fait style qu'il voulait pas, il voulait plus vivre. C'est super, hein, justement, de mettre des fleurs. J'avais jamais réalisé à quel point ça change l'endroit. Là, je vais mettre un peu de terre. Encore. Mais bien que je resterai à ce niveau, mais le trou là, la cuvette, elle est un peu petite. Et donc, re, tout le monde. J'espère que ça ne laguera pas trop. Là, j'ai fini donc un peu la petite maison. Ce que vous voyez à terre, je l'ai fait pour pouvoir m'aménager un petit chemin pour monter. Et j'ai trouvé que ça gérait bien, quoi, que j'ai voulu le garder définitivement. Pour l'herbe, il faut pas en mettre trop. On peut toujours en mettre beaucoup, ça fait vraiment beau, je reconnais. Mais là sur le pourtour du chemin, il faut pas en mettre trop, je pense. Il faudra simplement en mettre dans les zones où il y a naturellement de la verdure. Seconde chose, bon, après avoir fait ça, j'ai mis un peu d'ambiance ici. C'est censé ressembler à un char, mais le fait que les contrastes ne sont pas assez marqués et ça empêche qu'on voit au loin ce que c'est. Le truc le plus gênant ici, c'est que les textures se connectent avec les barrières de fer de cette façon-là, quoi. Je sais pas, il n'y a pas peut-être des blocs qui ressembleraient à des barrières mais qui n'en sont pas, parce que là c'est gênant, vraiment. Mais bon, c'est pas bien méchant. Ensuite, bon, si on ne sait pas que c'est un char, on verra pas que c'est un char. Mais quelqu'un qui connaît ces coins chars va reconnaître à peu près. Là, c'est un char pour porter des marchandises, pas pour porter des humains. Donc, on est un petit peu plus vers le sol. On va pas s'amuser à faire monter dedans non plus. Ensuite, bon, la petite maison. Le toit est biscornu, mais c'est bien. Il a l'air vieilli, abîmé. C'est bon, je trouve. Justement, c'est ce côté-là que je voulais avoir, avec un toit assez bizarre, asiatique. Anormal, mais pas pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? J'y ai mis du temps parce que ça demande vraiment un grand nombre de temps pour décider de ce qu'on va faire et comment le faire, quoi. Enfin, surtout quand c'est quelque chose qui peut fi au final être très laid, ou devenir vite laid. Cette avancée là au sol,
Ça n'existe pas dans la réalité, mais tout ça a l'air assez vraisemblable et du coup j'ai laissé. Donc l'intérieur est assez basique, hein. C'est juste la déco habituelle. Les petits volets, deux plaques de pression, une plaque de pression avec un faux bureau à la Minecraft. Pour nous, oui, ça c'est un bureau et ça c'est une chaise, on va dire. Et ça c'est le style de déco habituel. Il faudra encore que je place des petites décos. Peut-être autre chose là-haut, mais je ne sais pas exactement quoi mettre. Donc, je verrai. Je referme un peu pour qu'il n'y ait pas de zombies qui s'y cachent. Tout ça, c'est pour donner un côté vieillot, hein. Vieilli, etc. J'espère que ça ressemble bien à une petite baraque. Ensuite, là, je vais mettre, vous savez, des tentures médiévales avec des couleurs assez chatoyantes et des barrières de cobble pour faire des petits lotissements, en fait, des petits box où on marchandait nos affaires. Et donc, j'espère que ça rendra bien, quoi. Pour l'instant, c'est encore assez assez nouveau, assez fraîchement sorti du lit, le truc là. Donc, je vais pas trop m'attarder. Pour les outils que j'utilise, vous avez remarqué que j'ai changé un peu. J'ai perdu la pioche que j'avais. Un creeper me l'a fait exploser. Mais il y a du solidité qui est en train d'apparaître, d'arriver. Surtout solidité, c'est ce qui est important parce que devoir refaire des outils à chaque fois, c'est vraiment embêtant. Donc, du coup, là, cette petite tour, elle rapporte quand même pas mal de jours. En 2 3 heures, je me suis fait quand même. Vous voyez, là, il y en a une qui vient de tomber. Il y en a qui tombent régulièrement. Donc, du coup, je ne m'occupe pas. Ça, j'ai déjà vidé une première fois ce qu'il y avait. Mais à chaque fois, ça en redonne la même quantité en 12 heures. Là, j'ai moins d'une après-midi de farm. Donc, ça va. Pour l'instant, je vais vous laisser sur ça. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, une très bonne semaine ou un très bon week-end. Et j'espère vous retrouver très bientôt. En tout cas, moi, ça m'a plu de faire cette petite truc. Ça me détend beaucoup. Et je vais finir tout ça de mon côté. Peut-être que je vous montrerai pour le petit côté là de la place marchande. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée à tous et à très bientôt. Allez, bye. C'était Mad.